c'est d'abord. Ah la merde. Si vous voulez récupérer vos mangaka, vous allez devoir payer. Il y a jamais personne à l'atelier en fait, il y a personne. Mais d'abord vous êtes qui? Et puis d'abord pourquoi la caméra elle montre pas votre visage? Je suis Julien Lepers, c'était moi depuis le début. Oui. Vous êtes sûr que me ligoter ça va apporter de la plus-value à la production de ma vidéo? Ah oui, alors là moi je vous dis ça fait tout de suite plus pro hein. Je sens bien cette vidéo. Tiens-moi ça. Viens par là. Tu fous de ma gueule? Ils sont où les gars? Et c'est pas ma faute, patron. Ils étaient au moins 12. Et puis ils avaient des potes videurs pour venir les aider. Ouais. Ouais, bah t'aurais dû rester. Parce que chaton, il est pas content. Eh, laissez-moi 24 heures, juste 24 heures. Je vais les retrouver, avec un petit supplément. On va être bien. Monsieur Liel. Quoi? Un tweet de la plus haute importance. Mais... C'est génial! Toc, c'est moi! C'est toi qui a mis LOL sur Twitter? Non, c'est pas moi qui m'occupe des réseaux sociaux. C'est toi alors qui a mis LOL? Ouais! Greg vient faire un câlin. Moi je suis bien là. Viens faire un câlin. Oh oui. Vous êtes génial. On est géniaux. Vous êtes comme des pères pour moi. Voilà. Des gros drôles de pères quand même. Parlez de ce manga. Sinon c'est moi qui le fais. Un drôle de père, c'est vachement bien. Même si en vrai, c'est un peu de la merde. Ah non, bah du coup, non. Enfin, c'est... Non. Oui, si, du coup, non, oui, on le fait. Non, ouais. Un drôle de père, un manga de Yumi Unita sorti en 2005, et il faut le préciser... Oh, attends, me dis pas... Ah, Shoujo, bande annonce. Alors, un dédicace à tous mes fans. Voici Grégoire David, la plus grande star du monde. Tokyo, voilà, je vous parle en direct de ma... salle de la... Oh, un peu... Oh. Et voici... Et vous êtes... Alexandre Brouard. Très bien, mon bref. Il va bientôt découvrir que... Mais qu'est-ce que vous faites? Il est gay, et qu'il y a certaines règles à suivre. Ça fait très mal aux fesses. Du coup, y a pas les règles chez les... Ah bah non, du coup... Tous les jours du mois, si tu veux... Ouais... C'est pas aussi mal que je croyais. C'est un avantage, hein, on va pas se le cacher. J'aime la bite! Tu l'as mise où la vaseline? C'est pas vraiment le genre de personne qu'on aimerait fréquenter. Ce serait pas le chef otaku. L'équipe de Death Note et Spiral vous invite à retrouver Steve McBolter et Ricky Colster dans un quartier nommé Kudmu à Interville. Ah non, c'est un Josei. C'est pour les filles, mais à partir de 15 ans. C'est pas du tout la même ligne éditoriale que le shoujo.
Bon, bah tant pis, on n'aura toujours pas traité d'un shoujo dans l'émission. Ouais, encore une bande annonce pour rien. Mais bah en même temps, si on fait des bandes annonces qui servent à rien, ça m'étonne pas que ça mette 6 mois à sortir l'épisode. Ah non. Ça tu vois, c'est une blague que fait Antoine Daniel. Nous les abonnés, on les emmerde. Et d'ailleurs, l'un des sous-genres du yosei, c'est le très connu yaoi. Qu'on appelle aussi le boys love. C'est donc l'histoire de Daikeshi Kewachi, un trentenaire salaryman. Les salaryman, c'est très répandu au Japon. C'est un homme qui travaille dans un bureau, qui gagne ni trop ni pas assez sa vie, et qui consacre la plupart de son temps à son travail. Daikeshi est un célibataire et aussi sans enfant, donc de toute façon, il lui reste plus que le travail. Et puis un jour, mère nature oblige, son papy décède, et donc il va à son enterrement. Et là, au milieu de toute sa famille, Daikeshi repère une petite fille qui fait la gueule. Alors il se renseigne forcément, il va voir sa famille, et il se rend compte que la petite fille qui fait la gueule s'appelle Rin, et qu'elle est en fait la fille cachée de son papy à lui. Ce qui veut dire que la petite fille qui fait la gueule, c'est sa tata. Allez, ambiance! Donc rendez-vous bien compte que Rin est un problème pour la famille. Puisqu'on ne sait pas, qui est la mère. Alors je vois que vous galérez, alors je vais vous faire un petit arbre généalogique. La mère de Daikeshi, qui a donc 50 ans, est la demi-sœur de Rin. Et elle a un peu du mal à l'assumer, et c'est un peu comme toute la famille en fait. Ils sont un peu embêtés de devoir s'occuper de cette petite fille. Ils se disent, ouais, voilà, les amis, l'entourage, qu'est-ce qu'ils vont penser? Limite, ils auraient préféré s'occuper du chien du papy, parce que là, la Rin, ils en veulent pas, quoi. Et c'est alors que Daikeshi pète un câble dans sa tête. J'ai du mal avec les femmes, j'ai du mal avec les enfants, j'ai du mal avec les responsabilités. Allez, et si je m'occupais de ma tante de 6 ans? Ouais. Et là, ça pose bien comme il faut la quantité de thèmes qui vont être abordés dans ce manga. Déjà, la monoparentalité, qui est un sujet très sensible au Japon. Le taux de famille monoparentale est le même qu'en France. Soit environ 20%. Sauf que là-bas, les familles sont victimes de préjugés et le gouvernement tend à sucrer de plus en plus leurs allocations. On a pu voir cette précarité dans le film Les Enfants Loups, dont nous avions déjà parlé dans une petite vidéo avant, dans l'atelier animé. Donc voilà, si t'es intéressé, tu peux aller voir. Toujours sympa de cliquer, de s'abonner. Précisons aussi que la plupart du temps, les familles monoparentales, c'est maman et enfant. Sauf qu'ici, c'est l'inverse, c'est papa et enfant. Du coup, ça change tout! C'est l'occasion pour l'auteur de montrer qu'un bonhomme, peut s'en sortir aussi inexpérimenté qu'il soit. Et Daikeshi se torture vraiment l'esprit pour donner à Rin la meilleure vie possible, quitte à abandonner ses anciennes habitudes. Et ajouter à cela la crise de la trentaine avec les premières chutes de cheveux. Eh ben oui, forcément, avec une fille qui débarque dans sa vie, il va en perdre des cheveux, ouais. Vous voyez, lui, il a une copine depuis 2 ans, mais au moins t'as une copine. Ah! Il n'est pas le seul à se faire du souci puisque l'on suit aussi les pensées de Rin et qui s'interroge comme tout enfant. Pourquoi mon papa il était pépé? Et Daikeshi c'est mon papa ou pas? Et est-ce qu'il faut forcément une maman d'ailleurs? Et pourquoi pépé il est mort hein? Et elle est où maman? Ah! 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 Je sais bien, je sais pas où elle est ta mère mais. Tu vas vite la trouver parce que sinon je vais te mettre 2 claques dans la gueule. Elle est à la cuisine. Et Daikeshi en face, il est... Putain, je perds mes cheveux. C'est pas nouveau. Mais Daikeshi se pose tout autant de questions. Moi, je sais pas où elle est, sa maman. Et puis, papy, il a mis où son carnet de santé? Et puis, elle doit m'appeler Daikeshi ou Pompa? Mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Le stress, quoi! Il y a tellement d'interrogations sur la question que ça en devient limite un guide pour jeune papa, ce manga. Daikeshi est loin d'être parfait, mais il est toujours à l'écoute et présent. Et ça manque souvent dans les familles monoparentales. Ah oui, oui. En même temps, c'est le concept, hein. Il y en a un qui manque. Mais cela dit, il va se rendre compte qu'il n'est pas le seul dans cette situation. À travers d'autres personnages, comme une collègue de boulot ou une parent d'élève, il va réunir un tas d'informations qui vont lui servir à savoir comment faire. Il y en a un qui manque. Certains vivent mal leur monoparentalité, tandis que d'autres assurent leur race. Le manga ne prend pas d'avis tranché, il se contente simplement de faire une liste de toutes les situations possibles. Et il y en a même qui n'assument absolument pas d'avoir des enfants. Ils les rejettent et ils les considèrent comme un poids pour leur carrière. C'est pas gentil. Daikeshi lui-même se rend compte qu'il va devoir sacrifier son travail pour Elverin, comme refuser une promotion ou devoir être muté dans un job un peu moins bon. Ouais bon. Lui, ça lui va. Et oui, parce que première nouvelle, il va se rendre compte que il n'y a pas que le taf dans la vie et que Rin va lui permettre de trouver un but à sa vie. Et c'est lui-même qui s'est fixé ce but, ce qui est intéressant parce que Rin semble être un enfant non désiré par la famille. Et la relation Rin-Daikichi est centrale dans le manga. D'abord, ils vont devoir apprendre à se connaître,
puis à définir leur relation. Et le sous-titre du manga est « Le monde n'est-il pas mieux que ce que tu avais imaginé ?» Ce qui fait référence au fait que Daikichi va aider sa fille, sa tante, Rin, à s'ouvrir au monde. Rin, c'est bien. Rin, c'est... Parce que sinon, c'est compliqué. Parce que Rin, au début du manga, c'est un personnage très renfermé, elle ne parle presque pas. Mais Daikichi aussi va s'ouvrir aux autres grâce à Rin. Et ils vont être tous deux confrontés au monde extérieur pour la première fois. Rin va devoir se faire des amis à l'école et se sociabiliser, et Daikichi va découvrir le monde des parents. Et c'est fait très subtilement. Ah putain. Le manga n'a pas besoin de mise en scène avec des fleurs, des yeux énormes qui brillent pour montrer de l'émotion, y a pas besoin. C'est ce que les shoujo ont souvent du mal à faire. Rip la subtilité. Shoujo versus life in the shoujo. Listen close to everybody's heart and hear that breaking sound. Hopes and dreams are shattering apart and crashing to the ground. I cannot believe my eyes. Oh, the worst filled with fear and lies. In real life. But it's plain to see evil inside of me. Evil inside of me. A vous. It's all non. Non. Aïe. Et quoi qu'il arrive, c'est pas le dessin qui va réussir à mettre de l'émotion, hein. Regardez-moi ça. C'est moche. Le dessin est fait à la règle la plupart du temps, souvent avec les décors, et il y a très peu de contraste dans l'image, ce qui donne souvent un enchevêtrement de lignes, ça n'a pas d'âme. Et là, vous allez nous dire, eh ben faites mieux. Limite, une règle, bim. Il n'y a pas d'ombrage, ce qui ne donne pas de volume au personnage, et elle utilise les trames tout le temps, et en plus elle sait pas très bien les utiliser. Sans doute parce que l'auteur n'a pas les capacités de faire des nuances. C'est soit blanc, soit noir. Je me racle la gorge, je vais mourir. Ah, vraiment, c'est encore plus moche que Senseiya. Ouh, beau, beau. Nigga, 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 nigga. Beau. Mais malgré tout, elle arrive, on ne sait pas trop comment, à rendre ses personnages charismatiques. Rin est souvent mignonne, et Daikichi est marrant dans ses expressions. Malgré tout, ne vous attendez pas à l'orgasme graphique, non. Donc, ce dont on vous a parlé jusqu'à maintenant, ça représente la première moitié du manga. Maintenant, y a pas le choix, il va falloir qu'on vous parle de la deuxième moitié. Qui est pas pareil. Enfin bref, si vous voulez pas être spoilé, appuyez sur cette tête d'Ethyliel volante pour avancer dans la vidéo. Voilà, j'attends. Et donc, comme la logique le veut, sauf pour les vampires, cette petite fille grandit. Merci à toi, héros de manga qui ne grandit que pendant les ellipses scénaristiques. Je l'ai dit hyper vite. Et donc, fini les interrogations profondes sur la relation père-fille et place à l'amour. L'amour, tu connais l'amour. Ouais. J'ai déjà fait l'amour, moi, tu sais. Et l'on se rapproche dangereusement du shoujo larmoyant que l'on aime tant à l'atelier. Attention, générique. Sakura Chiyo, 16 ans. クラスのやつもほとんど知らないし. Je sais pas si je l'aime. Les personnages sont torturés par des sentiments inavouables et qu'ils n'arrêtent pas de ressasser dans des bulles de pensée interminables. Non, tu as changé, Steve. Je ne peux plus t'aimer. J'ai vécu trop de choses difficiles. J'ai 16 ans. J'ai plus 15 ans. Ça va mieux, là? Ah oui. Bon, imaginons qu'on en rajoute un peu, qu'on noircisse légèrement le trait, et que l'amour façon pathos, c'est pas pour nous. Mais il y a un truc qui n'est pas passé. Et qui ne passera jamais. Non, elle a pas fait ça, l'auteur. Oh si, elle l'a fait. Elle veut sortir avec son... Avec son neveu, qui a 30 ans de plus qu'elle, et qui a été comme un daron pour elle. C'est marrant, il y a une histoire avec le roi de France et le roi d'Espagne. Ils avaient chacun une sœur en fait. Et ils ont échangé pour se marier avec en fait. Du coup, ils ont eu deux enfants chacun de leur côté. Et ils ont marié ensemble. Si tu veux, c'est à dire que du coup ça, c'est rigolo parce que ça se croise. Du coup, ça fait vraiment une famille.
Ah non, mais attendez deux secondes. Retournement scénaristique, on vous a pas dit. Après qu'elle soit tombée amoureuse de papa Takeshi, je sais pas si je l'aime, tout ça, on apprend qu'en fait, ils ont aucun lien de parenté. Parce que Pépé, c'est pas son vrai papa. Mais du coup, ils se disent que légalement, y a pas de soucis. Bah du coup, bah, allez. Non. Pourtant, au début, on pourrait croire que c'est bien amené, façon complexe de dire, voilà, est-ce que je l'aime, est-ce que j'ai le droit de l'aimer, c'est à la limite de la morale, mais ça va. On se dit que c'est comme une mauvaise gastro. Ça va passer. Sauf que la gastro, mais elle la régurgite. Pas de problème, ça devient de plus en plus nauséabond, tout va bien, c'est génial. Ah, l'auteur avait même prévu cette fin depuis le début. C'est chaud. Et même si, bon, d'accord, légalement, c'est possible, mais on se demande quand même comment tu peux vouloir coucher avec celui qui était presque ton père depuis tes 6 ans. Non, bon, avis d'expert, hein, bon. Bah juridiquement, s'il a pas fait les papiers d'adoption, oui, c'est possible. Mais c'est sale, quoi. C'est sale. T'entends ça, Rin? C'est sale. Il t'a presque changé les couches, meuf. D'ailleurs, en parlant d'inceste, ça me fait penser à Mr. Enzor. Pas dans le sens où, bon, il fait ce qu'il veut, mais il a fait une vidéo super cool sur l'inceste, donc allez la voir. Sur l'inceste, super cool. Mais non, la vidéo, espèce de consanguin, va. Waouh, vous êtes là. Eh ben on avance, jump cut. Donc malgré une fin plus que contestable, le manga aborde des sujets intéressants et polémiques dans son pays. Ce qui est rare, parce que les japonais et les tabous, c'est... Tabou, oui. Yumi Unita nous prouve qu'il est possible de faire un manga sur les émotions sans pour autant maîtriser le dessin et sans en faire trop, voilà, je sais pas si je l'aime, tout ça, mais en offrant un récit fluide et touchant. Voilà, ça y est, j'ai fini le chapitre 57. À toi de jouer. Merci. Je suis claqué, moi. Allez. Les gars, venez voir les rushs de ce que vous avez tourné, là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le plan est mal branlé, le son est pas bon, je préviens, je retourne pas, hein. Non, c'est pas ça. Ouais, bah non, je vois pas le problème, c'est comme d'hab. Tout sous de ma gueule, vous avez des sales têtes dessus, vous avez l'air chiant à mourir. C'est pas possible, on dirait que vous avez pas dormi depuis des jours. Ouais, mais enfin, bon, on bosse quoi, enfin, le manga ça prend du temps, c'est normal. Non, là pour moi, on est comme d'hab. C'est le manga qui vous fatigue comme ça. Pourquoi vous prenez pas une assistante pour vous aider à faire du travail? L'éditeur, elle vous aide pas. Écoute, Eti, t'es sympa, mais on sait comment faire notre manga. C'est pas toi qui va nous dire quoi faire. Ouais, c'est notre truc, tu vois. On le fait à deux, on l'a toujours fait à deux. Mais mec, c'est normal d'avoir besoin d'aide. Eh, le manga a du succès, et ça c'est génial. Non, c'est pas génial. J'ai pas trop compris la réaction d'Eti, là. C'est vrai que c'est bizarre. Après tout... Tout va bien.